La solidarité autour de l'année scolaire est perceptible depuis que les enfants retrouvent progressivement les salles de classe. À chaque période de rentrée scolaire, que ce soit à titre personnel ou en groupe, plusieurs citoyens se hâtent pour apporter un peu de réconfort aux familles dans le besoin. C'est dans cette dynamique que s'inscrit l'action posée par les jeunes du regroupement patriotique. Par ce geste, nous espérons toucher ceux qui n'ont pas forcément la capacité financière de pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants en une période scolaire. Il est de notre vouloir de participer de telle sorte qu'ils puissent avoir un soutien, car c'est cela le social. C'est donc les enfants des personnes qui adhèrent aux valeurs de solidarité du regroupement patriotique et les externes qui sont les bénéficiaires des kits scolaires pour débuter la rentrée scolaire. Nous avons tenu à le faire pour aider les enfants de nos membres en difficulté ainsi que des externes qui ont pu inscrire leur nom sur la liste. C'est notre manière à nous d'être en phase avec les valeurs que prône le président de la transition, le général de brigade Brice Kotter-Oligui Nguema, sur ce qui est des valeurs du patriotisme et de solidarité entre Gabonais. Il est temps que nous apprenions à nous aider entre nous, de telle sorte que notre pays puisse se développer. Venus nombreux, seuls ou accompagnés de leurs parents, les bénéficiaires de ces kits scolaires se réjouissent de l'acte qui vient d'être posé en leur faveur. C'est très bien, très réussi. Ils ont donné des kits scolaires à des familles qui n'ont pas pu acheter des fournitures à leurs enfants. Je trouve ça très bien réussi et ils n'ont qu'à continuer comme ça. C'est très bien organisé. Le regroupement patriotique est un mouvement de jeunes Gabonais qui voit le jour grâce à la volonté manifestée du chef de l'État de voir se développer en chaque Gabonais un esprit d'unité, d'amour et de patriotisme.